Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vie. Pardon, petit rototo. Pour une petite vidéo, une vidéo all action. J'ai été action, j'ai trouvé des petites choses que je voulais partager avec vous. Donc, prends de quoi boire, de quoi manger. La vidéo va commencer. Avant, je souhaite remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment. Merci aussi à la Belgique. Oui, j'ai envie de remercier la Belgique parce que j'ai des petits abonnés belges et ça fait trop plaisir. Donc voilà, je tenais à les remercier. Bien évidemment, je remercie mes abonnés de France, de tout le pays qui me regarde. Voilà. Donc, on commence tout de suite. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important. N'hésite pas de laisser donc un petit commentaire, c'est sympa, un petit pouce. Pour le référencement, c'est hyper bien pour moi. Ça permet à ce que ma vidéo soit plus mise en avant, tout simplement. Donc, on commence tout de suite. J'ai trouvé des petites choses. Par quoi commencer? J'ai acheté des petits box comme ceci. Voilà, j'en ai pris 6. Je compte mettre ça dans ma salle de bain sur mes petites étagères en bois. J'en ai 2. Et donc, j'avais des petites panières en bois, mais ça faisait ton sur ton et j'aimais pas trop le rendu. Donc, j'avais envie de casser avec un petit peu de noir, puisque j'aime bien casser le bois avec du noir. Je trouve que ça se marie bien. Donc, j'en ai pris 6 comme ça. Elles m'ont coûté, alors, une misère. J'ai pas le ticket, les filles. Commencez pas, hein? Commencez pas dans vos commentaires là. Ouais, il n'y a pas les prix. C'est une vidéo action. Action, les prix, je pense qu'à un moment donné, on commence à les connaître, hein. Donc, vraiment pas cher, moins d'un euro. Voilà, j'en ai pris 6, il me semble. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est une poudre blanchissante pour le linge. Pour moi, c'est une nouveauté. Alors, je ne l'ai jamais vue. Donc, je souhaite vivement raviver quelques vêtements. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Je vais l'utiliser. Elle était vraiment pas chère. Et j'essaierai de vous faire un retour. Puisque je ne vous fais jamais de retour en fait. J'ai remarqué à chaque fois que je dis je vais faire des retours, je ne fais jamais de retour. Donc voilà, c'est bien de parler des produits, mais c'est bien aussi de donner son avis. Donc je ne sais pas si je ne vais pas faire des vidéos produits terminés comme ça, je vous donne mon avis. Mais en tout cas, ça, j'ai hâte de tester et j'espère que ça va raviver mon linge blanc parce que voilà, j'ai beau faire du tri, j'ai beau trier en fait, il redevient pas, voyez le blanc de blanc. Non, non, il grisaille un petit peu et j'aime pas beaucoup. Ensuite, j'ai acheté des petits ongles, voilà, des ongles bleus comme ça. Ils les appellent des Ice Ice Baby. Voilà, ils sont en forme d'amande, ils sont très 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 beaux. À chaque fois que je vais à Action, j'achète des ongles parce que je les trouve pas chers et je les trouve vraiment beaux. Ceux-là, cette forme-là, franchement, je vous les recommande. Elles font de très jolies mains, j'aime bien. Je les ai vues porter chez une collègue et ça lui allait tellement bien que j'ai kiffé en fait. Je les ai vues, j'ai dit bah allez, pourquoi pas, on va tester à son tour. Donc j'ai hâte de les tester et ça c'est pareil, c'est moins d'un euro les filles. Hein. Désolée pour mon teint blafard. Ça y est, le bronzage est parti. Parti. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris deux petites poudres comme ça. Celles-ci, on les connaît toutes, mais c'est des nouveaux parfums. Donc moi, j'ai Watermelon. Non, Wonder Melon. Voilà. Et j'ai la Berry Beautiful. Ok, very good. Celle-ci, je l'ai ouverte pour sentir un petit peu. Et franchement, elle sent vraiment le berry. Et celle-ci, je suppose qu'elle sent la pastèque. Franchement, je les aime beaucoup. Il y a 22 grammes. Celle-ci est un petit peu plus dorée. Celle-ci est un petit peu plus blanche. Donc voilà. Je me suis dit, je vais prendre les deux. Ça, je vous conseille, les filles. Elle est très fine. Elle rentre pas dans les ridules. Elle. Comment dirais-je? Elle lift, parce que ça serait vous mentir, mais elle donne vraiment un grain de peau très, très fin. Vous voyez, là, c'est ce que je porte. Franchement, nickel. Mais après, ce n'est pas ce parfum-là. Hein. C'est une autre, avec le capuchon orange, il me semble. Voilà, ensuite, j'ai pris quoi? J'ai racheté des petits disques comme ça, j'en ai déjà. Le truc, c'est que il m'en faut plus. C'est tout. À un moment donné. Parfois, moi, un disque, ça ne me suffit pas pour me démaquiller. Ouais. Pourtant, je ne mets pas des masses de maquillage.
Mais parfois, ça suffit pas. Voilà, il suffit d'avoir un mascara qui tient beaucoup, etc. Bah, tout de suite, ton pad, il devient noir, etc. Donc, bref, j'en ai racheté. Et elles sont très bien. Voilà. Ensuite, j'ai repris un coffee scrub de la marque Skin Bliss. Celui-ci, comment vous dire que c'est de la bombe atomique? Je l'aime. Un truc de malade. Il est trop, trop bien. Il coûte, il me semble, de tête 1,95 € et vraiment celui-ci, je vous le recommande pour voilà, affiner un petit peu le grain de peau. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. C'est au café et il n'est pas agressif. Donc du coup, t'as pas mal quoi. Quand tu fais ton petit gommage, quand tu fais tes petits mouvements circulaires, ça passe trop bien et ça te rend la peau toute douce. J'aime trop l'effet que ça fait. Ça, je te conseille ma poulette. Voilà. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? Toujours pour rester de la marque Skin Bliss. Celui-ci, je l'aime tellement qu'à chaque fois que je le vois, tant qu'il est encore dispo, je le prends. Donc, c'est le Face Cleanser à la camomille. Voilà, tu as 250 ml. C'est pour le visage. Et franchement, moi, je trouve qu'il me convient bien. Donc, pour alterner un petit peu ma routine skincare, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, j'en ai déjà un d'avance et celui-ci, ça fait deux pour te dire combien je l'aime. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits masques. Toujours mes masques favoris. Ceux-là, vous les connaissez. Je les fais assez régulièrement et je trouve que sur moi, ça a un effet plutôt bénéfique. Donc, je les recommande. C'est les masques coréens de la marque The Mask Doctor. J'ai pris au collagène et au niacinamide. Voilà. Tac. Ceux-là, les filles, allez-y. Franchement, c'est un vrai bonheur, un vrai moment de détente. Ils sont vraiment trop bien. Donc là, c'est pour avoir un effet un petit peu glow. Ta peau qui revit, quoi. Et celui-ci, donc, c'est le collagène. C'est vraiment pour avoir un effet un petit peu rebondi de la peau. Puisqu'arrivé à 37 ans, il y a tout qui tombe. Hein. Donc, moi, je veux garder mon côté rebondi. Hein. Donc, c'est trop, trop bien. Ceux-là, je vous les conseille. Ils sont pas chers. 99 centimes, il me semble. Et je les adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Mais je crois que on a terminé. Ah non, j'ai pris une petite boisson Hawaï. Il n'y en avait plus. J'étais au bout de ma vie. Je l'ai vue. Je l'ai pris. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pendant 2 semaines, je ne l'ai trouvée pas? Je suis trop contente. Donc j'en ai pris plusieurs, mais je t'en montre qu'une. Celle-ci, elle est vraiment. Je t'ai dit, ça me rappelle le Maroc. Donc j'aime beaucoup trop cette boisson. Ensuite, pour terminer, les filles. Je vous ai montré, enfin non, j'ai autre chose à vous montrer, pardon, avant de vous montrer ça, je vais vous montrer ça. Ça, il s'agit de quoi? Donc c'est, ils appellent ça Argan Oil Morocco Nutrition Spray. Déjà le packaging, on en parle, j'adore, trop trop beau. C'est biphasé, donc il faut que tu remues ton produit avant de l'utiliser. Donc ça devient un petit peu orangé comme ceci. Tu as 200 ml. Et ils appellent ça comment? Donc, spray double à l'huile d'argan marocaine biologique secouée avant utilisation pour assurer le bon mélange des deux formules séparées avant l'application. Vaporiser sur les pointes humides ou sèches des cheveux. Ça parle pas français, hein? ou sur les cheveux secs. Sec. Oui, sur les cheveux secs. Voilà, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. For damage, dry and brittle hair. Donc ça restaure, ça fait briller et ça détend le cheveu. Je pense que c'est ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va sentir l'odeur. Moi, j'ai déjà testé le masque, c'est pour ça que j'ai pris ceci. Le masque de cette gamme, c'est une bombe atomique du futur. Franchement. J'aimerais bien le retrouver dans mon action. Le truc, c'est que j'ai été bête. Mais en même temps, je ne pouvais pas savoir. Quand je l'ai vu que c'était une nouveauté, j'en ai pris un seul. Je l'ai utilisé. C'est une bombe atomique. J'ai les cheveux. Mes cheveux, comment vous dire? De base, ils sont très desséchés. Là, ils commencent à reprendre un petit peu de brillance. Et je peux vous garantir que c'est grâce au masque. Vraiment, je vois la différence depuis que j'utilise ce masque. J'ai les cheveux qui.
Sachant que moi j'ai fait une déco, j'ai fait des mèches, etc. Donc ils étaient très secs. Et là je commence à les retrouver. Je suis trop contente. Donc je me suis dit ça peut être que bien. Voilà. Et ça sent. Alors on va en mettre un petit peu sur les pointes. Allez, on crash test, nous. Hop. J'en ai peut-être trop mis. Déjà, ça sent. Oh, ça sent tellement bon. Oh là là. Ça sent bon. Ça sent bon. Après, peut-être pas en mettre autant parce que moi j'ai pitché une grande quantité. Mais franchement, pour les pointes sèches, c'est plutôt pas mal. Ouais. En tout cas, ça sent bon. L'huile d'argan. Ça, je conseille. Je pense que ça peut être bien pour les pointes. Moi qui n'avais pas de quoi, comment dire, entretenir mes pointes, je pense que je vais me faire une petite. Routine hair avec ce produit-là et avec le masque combiné au masque, ça peut être sympa. Et donc pour terminer, je vous avais fait un haul action il y a déjà quelques semaines. Désolée, j'ai des rototos mais qui s'arrêtent là quoi, qui veulent pas sortir. Remarque, tant mieux pour vos oreilles, hein, mais ça me dérange, je sais pas pourquoi j'ai des remontées comme ça. Bref, donc je le trouvais pas. J'en avais pris qu'un seul et j'en voulais absolument deux. Et là, je le vois. Et en fait, entre-temps, je parle avec la vendeuse et tout ça. Et je lui dis, mais ce pouf, pourquoi en fait, il n'y a que deux blancs et à chaque fois, il y a 4-5 gris alors que tout le monde recherche le blanc, quoi. Elle me dit, mais en fait, quand on reçoit ce produit-là, c'est vrai que on a plus de gris que de blanc. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la centrale qui nous envoie ça comme ça. Donc, voilà. Donc là, comment vous dire que quand je l'ai vu, j'ai dit, bah, prends-le, tu l'attendais le deuxième depuis un moment, tu l'as trouvé, tu le prends. Et ça, je vous l'ai déjà dit, les filles, si vous le trouvez, ce petit pouf-là, mais foncez, je ne vais pas l'ouvrir. Je vous l'ai montré sur un autre haul action que je t'invite à aller voir. Tu peux aller checker mes vidéos et tu verras, je te montre comment il est de plus près, etc. Et vraiment, il est trop, trop, trop beau, tu vois. Il est vraiment comme sur la photo, en fait. Il n'y a vraiment rien à dire. Il est juste magnifique. Il coûte 9,90 €, 99, un truc comme ça, moins de 10 €. Et je suis trop contente d'être tombée dessus. Voilà les filles, mon haul est terminé. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je vous ai montré mes petites choses et tout. J'espère que le haul t'aura plu. N'oublie pas de liker la vidéo pour le référencement, je t'ai dit, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de commenter la vidéo, j'adore échanger avec vous, j'adore vous lire, ça me fait énormément de bien, vraiment, c'est sincère, je vous le dis, ça me fait du bien de vous lire parce que, comme je disais à mes collègues, j'ai que des gens sympas et toute cette sympathie, en fait, ça me donne de la force. Donc, continuez à m'envoyer de la force. Partage la vidéo si tu as envie de la partager, si tu as envie de faire découvrir mon contenu à d'autres personnes, c'est avec plaisir, je t'invite à le faire, ça me fait énormément plaisir. Et voilà, je crois qu'on va en rester là. Hein. Je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et prends soin de toi. Bisous!